journée dédiée au trésor de l'histoire, nous sommes ici cette année grâce à Madame Tika qui nous accueille sur son chantier archéologique. Bonjour les enfants. Gurgulup, maman Marie. Bonjour professeur Tika. Bonjour monsieur Amande. Voici mon neveu Hervé. Non, Silex, un grand front ici. Ok, mon carnet. Pardon Luna, mais il y a un grand front là-bas. Un quoi? Non, d'un silex. Il est passé où? Je suis sûre de l'avoir vu. Bon, mettez-vous deux par deux et remplissez le carnet avec les photos de vos trouvailles. Tu te mets avec moi? Avec ton instinct de chasseur des plaines, je suis sûre qu'on va trouver plus d'objets Théo et finir notre carnet en premier. Dans tes rêves, Luna. Avec Jamie, on forme la meilleure équipe. Ouais, meilleure équipe. En duo d'enfer. Non, moi et Rocky, on forme la meilleure équipe. Mon carnet. Oh. Ok, on verra le résultat. Désolée, Luna, on va faire mieux qu'eux, tu verras. Regarde, Jibril. Jamie, note par ordre alphabétique. T'es trop un génie, Théo. Karl, t'as pas de binôme? Alors, les quadrillages servent à indiquer où on a trouvé une pièce archéologique. Un très vieux trésor enterré, quoi. Regarde. Là, j'ai trouvé un garçon préhistorique. Top mammouth, ce clic-clic. Hop, 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 mon Rocky, ça suffit. On a besoin de l'appareil photo pour remplir le carnet avec les photos des trésors, pas pour photographier tes fesses. Pourquoi pas? Mon prouloup-proup est plus ancien que tous les trésors du monde. Ouais, on a trouvé quelque chose. Venez voir tous. On est les meilleurs, on assure. Ouais, je vais voir. Attends, Rocky, on n'a pas encore commencé. Coucou, Top Mammouth. Allez, les amis, on fait une photo? Trop cool. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé, les nulos? Hé, Karl, attention, tu marches sur nos fouilles. Vous avez entendu? On dirait qu'un nulos qui a osé me parler. Ils sont tellement nulos qu'ils savent même pas que ce bidule qui tire la langue est maudit. C'est vrai? Eh ouais, je l'ai vu à la télé. Ah ouais, je l'ai vu moi aussi. Celui qui part sera pourchassé par un esprit fantôme. Enfin, quelque chose comme ça. Quoi? Fantôme? Ce sont des bêtises, Jamie. Et vous, vous devriez arrêter de raconter n'importe quoi, parce que les objets maudits, ça n'existe pas. Oui, les hyènes des cavernes. Arrêtez de raconter des cracanouilles à Jamie, ça lui fait peur. Allez, salut les nulos. Et toi, attention aux fantômes. Attention au-dessus de toi, Jamie. Je vais chercher Luna pour qu'elle nous aide. Attention, Rocky. Si j'en crois les marques là, je pense qu'on a trouvé quelque chose. Éloigne-toi de ma tribu, grand fou de malheur. Attention. Sale hyène des cavernes. Mamassu, tu peux me dire ce qui t'arrive? Mais Luna, c'est lui le grand front de tout à l'heure. Oui, c'est vrai, il a un grand front, et alors? Ça veut dire que c'est un ennemi et que je dois le chasser pour le bien de notre tribu. Je vous entends, vous savez. Et puis d'abord, tu es qui, toi? Je suis... C'est mon frère, Rocky, et il a une très grande imagination. Pas vrai, mon Rocky? Allez, viens, il faut que je te parle. Un chantier de fouilles? Tu vas voir, Rocky Quaternaire, que le meilleur archéologue du monde, c'est moi. Je vais t'attraper et à moi la célébrité et la gloire. Merci, merci. Je ne m'y attendais vraiment pas du tout. Je plaisante, bien sûr. Il est encore occupé? C'est le moment parfait pour installer mon nouveau gadget, le filet frise. Rocky, on n'attaque pas les gens comme ça. Par le grand mammouth, c'est pas les gens, c'est un grand front. J'entends toujours. Du temps de ma tribu d'avant, on se faisait toujours attaquer par la tribu des grands fronts. Les guerriers de ma tribu, malgré leur bravoure, perdaient toujours. Car les grands fronts étaient plus vicieux que des hyènes des cavernes. Ok, les grands fronts étaient les ennemis jurés de ta tribu d'avant. Mais c'était à une autre époque. Et surtout, ça n'a rien à voir avec Hervé. Hervé? C'est qui ça? C'est le garçon que tu as attaqué. Il vient d'une autre classe, c'est le neveu du chef de maman. Il a cru que j'étais seule, vu que t'étais partie, et il m'a demandé de faire équipe avec lui. Tu as dit non, pas vrai?
Bah non, j'ai dit oui, parce qu'Hervé est super sympa. Et en plus, il est passionné d'archéologie. À trois, on va remplir notre carnet plus rapidement que Théo et Jamy. Pas question, c'est trop dangereux. Ce que je crois, Rocky, c'est que tu le juges avant même de le connaître. Je parie que si tu l'observes un peu, t'auras moins peur de lui. Peur de lui, moi? Pas du tout. Je viens avec toi, mais seulement parce qu'on sait jamais avec ses têtes de silex de grand front. Vaut mieux que je le surveille de près. Je crois que j'ai trouvé quelque chose, Luna. Il a une arme. Regarde. Je suis sûre qu'il va nous attaquer. Bien joué, Hervé. Je l'ajoute au carnet. On l'a trouvé en A2. Ça suffit, Rocky. Trompe de mammouth, bois fort. Le grand front va savoir que je le surveille. Rocky, je crois qu'il a compris que tu le surveillais. T'es pas très discret. Tu devrais arrêter ou c'est moi qui prends ta massue pour t'assommer. Pas question d'arrêter. C'est un ennemi féroce. Je n'ai plus qu'à t'attirer, Rocky. Et tu seras moi. Jean, on s'en parlait à Théo. Il va m'écouter, lui. Non. Théo, j'ai un problème. Moi aussi. Depuis que Carl a raconté ses âneries sur le masque, Jamy n'a pas bougé de son coin. Fantôme, il y a des fantômes partout. Trompe de mammouth, je vais aider Jamy à se débarrasser de sa peur. Mais toi, est-ce que tu peux m'aider aussi? Bien sûr. Je voudrais que tu prouves qu'Hervé, le nouvel ami de Luna, est un grand front et qu'elle doit s'en méfier. Un grand front? C'est quoi? C'est l'ennemi de toujours de ma tribu d'avant. On le reconnaît facilement car il a... Un grand front. Compris, je vais aller voir ça pendant que tu t'occupes de Jamy. Ça va, Jamy? Je peux t'aider? Oh, merci, Rocky. Mais j'ai vraiment peur du fantôme. Moi, dans ma tribu d'avant, on avait une astuce pour les chasser, les esprits fantômes. Fais comme moi. Waouh, Rocky, ça décoiffe. Je vais essayer. T'es trop doué, Hervé. Un front spécial, une grande intelligence. Et si c'était un garçon de Néandertal? Trompe de mammouth, gonfle la poitrine comme si t'étais un ours des cavernes. Allez! Je l'emprunte. Rocky, je crois que t'as raison. Hervé pourrait descendre des hommes de Néandertal. Il descend quoi? Non, laisse tomber, en fait. C'est des gens qui vivaient il y a 35 000 ans et ils avaient un drôle de front. Et c'était des ennemis des autres hommes? Possible. En tout cas, on pourrait savoir si c'en est un avec un test génétique. C'est quoi? Je t'explique. Chaque être vivant a une sorte de code en lui. Son code est génétique. Si Hervé est un Néandertal, ça le prouvera. Et comment on le fait, ton génétique? Avec de la bave et des cheveux ou des poils. Pas les tiens, ceux d'Hervé. Nom d'un silex, ça va pas être facile alors. Désolé, Rocky. Oh là là! C'est quoi là-bas? Cette fois, Rocky, tu ne m'échapperas pas! J'ai un poil du grand front. Magnifique. Grâce à mon analyse de ce poil, on saura vite si ce grand front est bien... Wouh! Ouais, ça y est, j'ai réussi. Hé, Rocky, est-ce que tu crois que le fantôme est parti? Mais bien sûr, allez vite, il nous reste plus beaucoup de temps pour finir nos fouilles. Et Hervé? Désolé, Rocky, pour le test. Mais bon, Hervé a pas l'air si méchant que ça, tu sais. Et puis, vous devriez faire équipe. Il est doué pour les fouilles. Mais pas autant que nous. Par mes
mes ancêtres. Personne sauf moi ne veut comprendre. Là où il y a des grands fronts, il y a danger. Non, Silex, un grand bois par ici. Faut que je le voie. Allez, avance encore un petit peu. Attention, Rocky. Une attaque du grand front. Je le savais. Mais pourquoi tu dis ça? Je viens juste de t'empêcher de tomber dans un trou. C'est pas moi le danger. Le danger, c'est de marcher sur un chantier archéologique sans regarder où on met les pieds. Mais pourquoi il a fait ça, lui? J'étais à deux doigts d'attraper Rocky Quaternaire. J'ai pas dit mon dernier mot. Hervé. Nom d'un petit silex, je me suis trompée sur toi, tu m'as sauvée. Et grâce à Hervé, on a notre carnet plein de photos. Pour une fois, c'est nous qui allons gagner face à Théo. Nous aussi, on a fini grâce au pot de chambre antique que Jamy vient de découvrir. Champion. Eh les amis, en tout cas, j'ai passé une super journée avec vous. Et si on montrait nos découvertes à la maîtresse? Super idée, Théo. Oh là là, va être trop content. Trompe de mammouth, moi qui pensais que t'étais un grand front, l'ennemi de toujours de ma tribu d'avant. Tu vois, c'est pas très malin de se fier aux apparences. Oui, tu as raison. Et si on devenait amis? D'accord. Thank you.